1482, lorsque le Congo démocratique fut découvert par le commandant Dingo Kao, militaire de son état, le caractère programmé des voyages d'exploration du 15e et 16e siècle, suivi de la traite négrière, ne laisseront pas échapper les valeurs traditionnelles Congo de l'influence de la domination occidentale. Et le Congo démocratique, véritable poule aux œufs d'or, restera longtemps une propriété exclusive du roi de Belge, Léopold II. Ce pays continent, tant convoité à cause de ses richesses, deviendra à l'issue de la conférence de Berlin une colonie belge, grâce à la charte coloniale conclue entre Léopold II et la Belgique, promulguée en date du 18 octobre 1908. Ces traités mettront en place des structures comprenant un ministère des colonies résidant à Bruxelles et qui avait sous son autorité le gouverneur général du Congo belge, représentant du roi et chef du pouvoir exécutif dans la colonie. C'est dans cet espace géographique occupé par le peuple Congo, où le roi Léopold II exerçait une domination la plus inhumaine de l'histoire des colonies en Afrique au sud du Sahara, que naîtra Papa Simon Kimbangu. Son surgissement miraculeux au milieu de ses frères de race avait valeur de référence. Avec son étonnante simplicité, sa remarquable intelligence et sa spiritualité hors des communs, Papa Kimbangu se révélera en un véritable soleil de justice. Car sa présence dans la contrée d'Nkamba mettra fin à un phénomène rarissime appelé Kimbangu Fulamwana, que les ancêtres invoquaient dans la détresse pour donner la vie à un mort-né dans la famille. C'est dans cet environnement secoué par l'influence coloniale où les valeurs traditionnelles ont été laminées que Papa Kimbangu, un bon visionnaire, transcendra par son attitude et comportement les barrières linguistiques, régionales, ethniques et religieuses pour rêver un tout autre Congo, celui qui doit revenir à ses fils. Ce rêve d'un exceptionnel patriotisme n'épargnera pas Papa Kimbangu des ennuis judiciaires malgré le caractère non violent du mouvement né de sa pensée religieuse. La présence de Papa Simon Kimbangu au cœur du continent noir fera briller la flamme de libération en secouant l'édifice colonial dans ses fondements. D'où sa célèbre phrase « Noir deviendra blanc, blanc deviendra noir » qui symbolise la libération des énergies, constitue le socle d'une nouvelle bâtisse pour un monde meilleur. Papa Kimbangu avait grand pour agir localement. Thank you.
en ressuscitant les morts, en guérissant et bénissant tout ce qui allait à sa rencontre sans la moindre rétribution, la célébrité de Papa Kimbangu allait de plus en plus grandissante. Et celle-ci devenait de plus en plus inquiétante pour le pouvoir colonial qui n'hésitera pas de déclencher contre Papa Kimbangu une poursuite judiciaire. Le 6 juin 1921, Papa Simon Kimbangu se fera traquer par l'administrateur Morel qui l'a contraint à l'exil forcé en Bazassanda. Et 4 mois plus tard, Papa Simon Kimbangu se livrera personnellement à ses bourreaux le 12 septembre 1921. Ce jour-là, le spectacle était ahurissant quand l'administrateur Snook, au pied de la colline sainte, avec ses soldats, mettait la main sur le prophète noir. Et sans la moindre résistance, il sera arrêté et sous bonne garde conduit en Banzangungu pour être jugé devant le tribunal militaire. Ce procès, unique en son genre, connaîtra 7 séances dont la première audience avait eu lieu le 29 septembre 1921 et dirigée de main de maître par M. De Rossi, sujet italien, jésuite de son état, dont voici le verdict. Jugement du conseil de guerre de Thisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kimbangu et consorts. Vu par le conseil de guerre siégeant à Thisville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kimbangu Simon, Mandobe, Zola, Matweni, Lenj, Sambu Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbati André, Kelani John, Batoba, Sami Sioni, Batoba David, Malaika Setni, prévenu d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Voabella, prévenu de ladite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes. Le conseil de guerre. Attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Nkamba, l'administrateur du territoire des cataractes sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kimbangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kimbangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que, par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kimbangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, a imposé ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs, que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs publics établis. Attendu que Kimbangu a été reconnu par les médecins sains de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ses actes, que ses crises de nerfs ne sont que de la simulation,
qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État, attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibangu Mfumu Simon Mvuluzi, qu'un temple nouveau, Église nationale noire, allait être fondé. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel. Que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations. Que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibangu a été cause d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mondombe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par le fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes, que ce même bénéfice doit être accordé au nommé Lubuende Johan, qui a hébergé à Samba les prophètes et la suite de Kibangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple a été donné par le chef même du village et le chef médaillé. Le conseil de guerre, vu les articles 101 ter du code pénal livre 2 et 101 ter du code pénal livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnant Simon Kibangu à la peine de mort, Zola, Matveni, Lenge, Sumbu Simon, Mimba Philemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoma Simisioni, Batoma David, Malaika Sesni, à la servitude pénale à perpétuité. Demba et Dingo Vuabella à 20 ans de servitude pénale. Lubuenda Johan à 5 ans et Mandomb à 2 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre, où siègent messieurs de Rossi, juges, depuis ministère public, Berevoetz, greffier. L'environnement qui a vu être exécuté ces sumagrés de procès n'offrait aucune chance à l'homme d'Inkamba de se sauver. Car l'antipathie du pouvoir colonial envers Papa Kibangu était telle que seule la mort
couronnera cette machination. Mais la sentence de mort prononcée le 3 octobre 1921 n'était pas réclamée par le ministère public, ce qui explique le caractère politique du procès. Au moment où les tractations sur la crucifixion de Papa Kimbangu après sa condamnation allaient bon train, avec l'appui des religieux catholiques, en date du 4 octobre 1921, M. Dupuy, ministère public, contre toute attente, introduira un recours en grâce en faveur de l'homme d'un Kamba, ce qui pouvait logiquement sursoir l'exécution de la condamnation. Kimbangu subira toutes les humiliations de la part de ses juges qui ordonneront aux militaires qu'il soit frappé de verge et que des jets d'eau froide soient déversés sur lui pour qu'il dise toute la vérité sur l'affaire. Et cela, il l'accepta avec courage. Lorsque des questions lui seront posées sur la religion, et en particulier sur la sienne, ses réponses sont celles d'un excellent chrétien qui croit à Nzambi, à Mbongo, le Dieu Tout-Puissant, et à la Trinité. Rappelons que Kimbangu a été catéchiste et qu'il fut aussi un chrétien sincère et incontesté. Est-ce ce fond de christianisme resté en lui et dont il s'était imprégné depuis ses plus jeunes années qui l'a empêché de provoquer des effusions de sang? Et pourtant, cet homme, qu'on accusait de xénophobie, eût été capable de tout. Après toutes les humiliations subies par lui de la part de ses juges, un geste, un seul geste suffit dans un moment de colère ou de vengeance pour déclencher une action à main armée. Il ne l'a pas fait. Kimbangu était conscient de tout ce qu'il faisait. Il n'a pas voulu rendre le mal pour le mal et faire répandre ainsi le sang des hommes pour des raisons personnelles. Formé dès ses plus jeunes années par la morale chrétienne, Kimbangu haïssait toutes les méthodes de force et prêchait l'amour que tout homme devait avoir dans son prochain. Le prophète n'a transmis à ses adeptes aucun mot d'ordre qui eût excité les esprits. Croyant convaincu, il s'en est remis à Nzambi, à Mpongo, pour rétablir un jour la justice entre les hommes de peau différente. Quoi qu'on en ait dit, l'esprit chrétien reçu des missionnaires protestants avait toujours imprégné le mouvement kimbanguiste. Cet esprit chrétien a prévalu et dominé en bien des points la pensée de Kimbangu. Il faut ajouter à cela qu'il fit preuve de maîtrise de soi-même et de sagesse africaine, qualité d'ailleurs essentielle dans la société Bakongo, et exigée des jeunes gens destinés à diriger les autres. Plus que jamais, il convient de reconnaître que ce fut une grande victoire pour Kimbangu, qui n'a cessé de se rappeler « Tu ne tueras point, Dieu n'est ni blanc ni noir, il a créé tous les hommes semblables ». Je pense bien en tant qu'homme vivant. Matériellement et spirituellement, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simon Kimbangu. Je m'explique que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simon Kimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu, c'est un saint. Moi, je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire que, étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant, en ce moment bien précis, spirituel,
Mais comparé à lui, c'est trop grand. Mais comment vous expliquez que vous soyez né le 18, enfin la date annoncée par votre père, si c'est votre père, si c'est pas vous-même? En 1910, moi je n'étais pas encore né. Mais mon père avait dit, je vais renaître en 1918. C'est un langage profondément mystique. Et comme tel, j'ai difficile pour vous le décrire, puisque c'est un langage à lui. En tant qu'homme vraiment spirituel, envoyé spécial, donc il avait une certaine méthode d'expliquer des situations. Et moi, quand je dois dire que je suis Papa Simon Kimbangu, aïe, c'est grave. Il est né le 12 septembre 1887. Et en 1910, il déclare que je vais renaître en 1918. Il a eu des raisons à lui, en tant qu'homme spirituel. Quand je dis, c'est un envoyé, réellement c'est un envoyé. Parce qu'il nous a fait découvrir beaucoup de choses. Ce n'est que par après que nous nous sommes aperçus que lui, il n'était pas un homme comme moi. Je le suis, moi et vous. Pourquoi? En 1921, le 6 avril, quand il a commencé son travail, ce n'est qu'en ce moment-là que maman nous faisait beaucoup de révélations. Maman nous disait, eh bien, voyez-vous, maintenant je découvre pourquoi tout le temps, votre père était sévère en lui-même, à nous et à vous autres les enfants. Sa sévérité spirituelle démontrait réellement qu'il avait en moi une mission spéciale que nous ne comprenions pas. Donc à partir de ce moment où maman nous expliquait que ce n'était pas vraiment un homme comme nous, il était tout à fait différent, alors ce n'est qu'en ce moment-là nous nous sommes aperçus, et là, ce père-là semble être un peu sorti de quelque part, où nous sommes peut-être sortis, puisqu'il est né des Tatakoye à la Yerimama Louézi. Mais il a eu une grande différence à cause de ses procédés spirituels qui le détenaient, qui dépassaient notre imagination. La réhabilitation de Papa Simon Kimbangu. Comment vous avez vécu ça et comment vous vivez ça maintenant? Qu'est-ce que ça apporte au sein de l'église kimbanguiste? Eh bien, au sein de l'église Kimbangu, c'est tout d'abord, pour nous, c'est une grande fierté. Papa Simon Kimbangu, qui a été pourchassé comme un véritable gibier par tout le monde, que ce soit des côtés blancs, jaunes, rouges, noirs même, nous l'avons pourchassé. Nous l'avons traité de tout. Nous lui avons prêté les intentions qu'il n'a jamais eues et qu'il n'en aura jamais. Mais on l'a traité de magicien, d'un grand sorcier, d'un rosicrucien, d'un franc-maçon. Eh bien, maintenant, certaines circonstances ont forcé le gouvernement colonial pour détruire ce qu'ils ont sémé à travers des années du 12 septembre 1921, date de son arrestation, jusqu'à la fin de sa vie. Il a été traîné dans la boue, tout en lui prêtant tout ce que je viens de vous citer tout à l'heure, et inculqué même aux enfants. Jusqu'aujourd'hui, on continue à les traiter d'un imposteur. Pourquoi? Parce que nous avons été colonisés, et les séquelles de la colonisation, qu'on le veuille ou non, restent vivantes. À partir du moment où ces séquelles restent vivantes, il nous est matériellement difficile pour essayer de nous dégager. Les solutions qui peuvent y venir ne peuvent sortir d'ailleurs que de Dieu lui-même. Que chacun de nous se fasse un effort pour essayer de se découvrir et se connaître soi-même. Qui suis-je moi en tant qu'homme noir? Notre frère qui a été arrêté parce qu'il a prétendu être au service de Dieu. Il a été envoyé par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, pour qu'il vienne continuer son œuvre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à nous découvrir, mes chers amis, nous continuerons toujours à dépendre des autres.
Ces procès, en une véritable parodie de justice, diviseront en deux camps les Européens. Le premier camp, celui des durs dans lesquels étaient M. Derossi, juge, et M. Brenet, journaliste et propriétaire du journal Avenue Coloniale. Ces camps luttaient bec et ongles pour la condamnation à mort du prophète noir, malgré le caractère pacifique de sa mission. Le deuxième camp, celui des modérés dans lequel était M. Dupuis, ministre public, mais soutenu par le journal Les Progrès Colonial. Ces camps militaient pour l'allègement de la sentence jugée trop sévère pour l'homme d'Nkamba. Car les modérés estimaient-ils que pour une répression sévère, il n'était pas bon d'être inutilement inhumain. Les différents miracles réalisés par les prophètes noirs, bien qu'entourés d'un certain humanisme, étaient loin de faire l'unanimité. Braqués, arrêtés, emprisonnés, jugé et condamné à mort par le tribunal militaire, Simo Kimango échappera belle à sa crucifixion le 4 octobre 1921. Et 30 années plus tard, en cette même date, le prisonnier le plus discipliné de Kasongo brisera son silence en sortant de sa cellule sans que ses geôliers ne le lui donne l'autorisation. Interrogé pour son geste, les prisonniers, Kimbangu répondra en ces termes. Je cite, « Dans cette cellule, je n'y rentrerai plus jamais de mon vivant. » Cette déclaration mettait ainsi fin à son long et humiliant emprisonnement. Et quelques jours après, Papa Kimbangu sera conduit à l'hôpital après être atteint d'une courte maladie qui ne mettait pas en danger ses jours. Bia Simoni Mbangu, yo sanguna etambulilo kwa yezo. Ndenge nini ngai na mwani pasi na misho na ngai. Soko za imu tunanjambia solo ubiki za ngai te. Bo. Ye aseki alibi solo zakuru bali kambo ya solo abwaki soi na ye na maboko na emoko tangu ati na liboko na na miso na tata wana kupaka miso miso na ye zongi lokola ndenge tata na ya botaki bongo tangu yango wana tangu tani na pera to yina musala kona okengre bato na fizo na kasombo bo mondere musetirepe dikter Atali moto wana gwangoma miso na nyoso ifungulani abikoma abengisi ye na miso na basoda nyoso na bate ya ndoro batremi abiyo o miso na yo kufa ndenge ni miso na yo komi wana seja za bar bikoma abindenge ni penja moto yo miso na ye salibu ya solo mondela tika kotuna te biso to lale wa mbula na mbula to mona ka moto yo miso na ye kufa ndenge ni miso na yo komi bo ya lo mi mondela na ibiko bomba ete mo sete fe mo se kaso mbo bino ba mindele Ozali ko kangani moto pamba bino yebi makamunanja. Tala moto yo Simo Imbangu atenga kaka soi pamba tena miso na ngai mbula mine yao na pizo. Miso na ngai komi lo kwa tatana ngai bota kengai. Bongo bino ko tuna nini? Na kati na mino mindere o ibuko sala lika mondenge yete. Moto bikizinga ezali ye. Epe ba mindere ba kamwa ki tru ba bengi tata wana gwanguma. Moto bete ki pimbo wana jai sezalo zabo jai moto na belevi. Babete pimbo mwambe balibi denge nini yo kende kusola na Simo. Simo akamati mama lale. Malale wana zaki malale makasi te fe vere kamati ye. Bakamati ye bati na fizo oyo nakati na hospitalo na isa vedivili. L'hospitalo wana eza inda kumoko molai. Batu musu bakoto kote paka batu ya fizo bakonda iso kazani malale. Bako za nakati na ndako wana basoda bazayo kende kula asinji na bango. Donc ba prisonnier bazaki na isika na bango. Prisonnier mobimba ndako yango mobimba paka prisonnier. Tango dola isinji wana e 15 ngale ya tongo. Tango ngonga mo pere zako bete ya yambo. Na wuki kaka
ngengere zako ya kuna ibanda ngerenge babeti pote yungaye na jagnangu na tema boko na posi na ngai na bimisi mafungule na fungule mulango nani pote na fijo mbo masere kasimila koti oe masere musiju ba tuakataka yedi ba katakini ibe na tumba ya kalandi kala senga koti ale na mopere baleki mbeto moko mi bale misato kati na mbeto misato wano ajako lala ajako lala lala na ye na akamati matalana ya te na se na sima kuse misato kwa na moto misato wano makura ajako lala na ye na se na sima na matalana ye ndoku ba prisoni ba zaki na mbeto te bango nyo so tu ba zaki na mbeto ya ringaki kwa lala na mbeto te ate na ye matala na kati ya sima uleka mbeto moko mi bale misato katika na mine na te matalana ye wana bo ba masere na kasimiri na sango baliki ba 3000 bose na ye ye numero 1 ngana jamo krit na jamo kito ya katrut na jali ngombe pesi mwa jali mokongo na ibiko globali kambo ya lukutate o na mwana kina miso sikawa abengi nga numero 1 arbi mwa na ngai pumikesi tuli na ngai na ba mindele eloko nini ba yeiko salawa tangi yangote na kubenga na bino bino banzi ngai soki na jago kufa nde motuna na ngai na miso na njambe na bino ba mendele ndenge bino salinga mabe na jago kufa malale tena kufa mituna sima na mituna na ngai soki na kufi bino ba mendele okomona pasi sima na ngai isigaya lo biboyo ba masere nyonso ba bandiko bino bango na mupere ba bimi bake tango ba bimi bake to tikali na 6h penza ye moko akamata isito kuse ye mi ba mezaki kuse misato na moto misato na makoro akamata mi bare kona pandisi na makoro na makoro ina kuse mo jeja makoro ya pandiro kwa ndenge nga pandipo alubi bino bana na ngai bato ya pisoni tremeni nyoso kuya kuzi ba lero pona ko yebe sa bino pena mi bale lero na kokufa na 3h ya moyi Ezaki mo koloni ni wa. Ezaki mo kwa msa mitan. Kwa msa Sikawa ngai na maluba na ngai na tuni ndeko na ngai jambe lo posi muni ngai ngai soda na mono kwa mboka ngai bikoma. Ndini nini mobali yu tatawe. Azena malali makasi te aluba kukufa na tuwa zago kufa na ndingi nini. Oye ndeko na ngai wana bongo ni maluba. Albi ee yezeku ndeko na ngai. Yo tango bisu zaki bana tuza woka sango na simo. Paka tuza ibana oluba na mtu likambo moke. Oh yo bongo li simo. Peba kangi bisho na mwesana suda tu yi tu kengeri na boloko tu mwani miyala kina ye. Denge ya lo bibi anga sindi na bisho boyo tu kotala kaka. Ako kufa lukula iseki. Jambi sangu na ye etambu hilo kula yezu. Tika kolo bandengu wanga habi wape lukuta akufa te. Muta jay malale te. Malale moke boyo pasi ya moto pamba akufa ndenge nini. Mbo. Ayebe si bato ya boloko. Lukula ngana kukufa na tuwa zere ya moi. Bino kubosa na likamu ya njambe te. Na jako yebe sa bino, babana na ngai, basoda misato, bapumika esi, bazali kuhoka ngai. Na kukufa na tuwaze juit. Na mibale, kusambi na njambe mikolo nyonsu, njambe zari te, bepo te, o kende na ndako na njambe, ni njambe ndima yo lukuta. Njambe kwa ndima yo lingi kulala, usambi li, o lingi kende mosala, liboso sala mosala, sambi la ye, njambe kwa kitira ye. Njambe apone sika moko te. Mokebo yo ale na 3h moy 20 abingi si bango abiba na ngayaka makamungana lobaki ese koki sigawe linge koka tango bango baye batremi basingi bisope baso dami satu wanale to tremi kala wana ngai paka pepe na yebo wana bozo telema na babondoki na mundoki to na to tremi kaka boy ye oyo apandi na na kusina yebo batonyo kwa ezaribo ya zaki na ipana gosi ya mbeto ya gosi ndoka nda ya gola na mbeto te na sena na sima tango wana ikomi boyo ye kokoma 3h mwe 20 abenge si bango ba ye ba terema bi bana maro bana ngana suka we ngana zako kufa na 3h zite bino moko kotala balele yango yo zaina na bapumikes na jago lo barikambo ya solo likuta te ko bosa na likambo na njambe te azali ko pesa penda mungongo makasi abi likambo na njambe ko bosa na te bana ngana jago kufa na 3h zi bongo bino ko bosa na likambo na njambe te lokola ndenge na yebisi bino motino na yebisa ke bino liboso tango wana azalo bana mona ko na swahili ubena lingala azako bana ingala
tango a saisi le commis 3h08 a bendi paka kusina yewana na moto mibale moko tika iko na bakezi di corona yo mosusu tango bakezi wana alibi bana tika malamu mbote ngai na sia ke na ngai lokwa ndenge ngai na lobaki na bino nako kufa yo na kufi ezai mo tuna na ngana mi tiri tiri boko na yeyo amo boko na yeyo amo bad a tutia wana panje na ki mbala moko a jongeza tuti 3 ona gosi ndenge moko dokura mbrasis na mwani paka akperi kuna matara na yewani kope mate nini te ulikuwa mota kufi te lali kaka ndenge wani do kwa sali matata te lukumoto matata ta mokete ta pika kaboyo nyen Il est vendredi 12 octobre 1951 à 15h. Papa Simon Kimbangu rendra l'âme au plus grand étonnement de ses geôliers et enterré un jour après au cimetière de Sapin dans l'indifférence la plus totale. En 1960, 9 ans après sa mise en terre, Papa Diangenda Kontima Joseph, chef spirituel et représentant légal de l'église kibanguiste, à la tête d'une importante délégation, se rendra à Lubumbashi, au Katanga, pour procéder à l'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu. Mais, avant cette cérémonie historique, une visite de la prison où fut détenu Papa Kimbangu, 30 ans durant, n'avait pas échappé à la curiosité de la délégation. Question de toucher du doigt certaines réalités historiques qui restent encore vivantes et présentes. Car les conditions inhumaines dans lesquelles Papa Kimbangu avait purgé ses peines et les injustices qu'il avait subi pendant 30 ans de sa détention ont sérieusement marqué les esprits des visiteurs. Des bonheurs, les fidèles kimbanguistes du Katanga, dans un chagrin profond, prendront d'assaut le cimetière des Sapins le 25 mars 1960 pour participer à l'événement. C'est dans une ambiance dominée des chants d'adoration et des louanges que l'opération d'exhumation de la dépouille mortelle de Papa Simon Kimbangu a eu lieu sous les regards attentifs de l'autorité coloniale. Si le plus vieux prisonnier du monde a été condamné avec humiliation le 3 octobre 1921, mais l'exhumation de son corps 30 années après sa mort, le 25 mars 1960, a été réalisée avec honneur et grandeur, en magnifiant sa pensée et en honorant sa personne.